Hello tout le monde, re-bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On est samedi le 24 décembre, donc la veille de Noël. Et ça fait déjà quelques jours que j'ai vlogué. J'avais recommencé un vlog jeudi soir, je crois. Et j'allais juste cancel parce que je filmais rien. Et honnêtement, c'était vraiment plat, c'était vraiment redondant. J'ai fait la même chose toute la semaine, c'est-à-dire travailler pendant le jour et le soir, relaxer, vraiment pas faire grand-chose. Fait que j'ai juste décidé de canceller le vlog parce que c'était vraiment pas intéressant. Mais j'ai quand même filmé hier quelques petits clips. J'étais allé faire mes dernières commissions qui me manquaient. Il manquait quand même beaucoup de cadeaux. Fait que mon père, mon frère, mon oncle, ma mamie et ma belle-mère. Ça a majoritairement été des cartes cadeaux partout. Fait que mon père a une carte cadeau chez BMR. C'est comme un magasin de construction de réno. C'est ce qu'il voulait. Mon frère Real Pit, qui est un peu comme un sport expert, un magasin de sport. Mon oncle, carte Tim Horton. Ma mamie, un foulard qui est vraiment très beau. Genre beige et blanc avec comme des petites lignes. Puis ma belle-mère, une boîte de chocolat. Fait que ça a été ça comme que j'ai fait son après-midi. J'ai pas filmé, mais j'ai filmé en arrivant ici. J'avais acheté une orange en chocolat parce que je me rappelle pas d'avoir déjà mangé ça. Je vous en avais parlé là, dans des vlogs que comme moi, ça faisait vraiment pas Noël une orange en chocolat. C'était 6,49 à l'épicerie. Mais je voulais goûter. J'étais comme YOLO Christmas vibes. J'en ai acheté une et honnêtement, c'est quand même très bon. Je trippe pas tant chocolat orange, mais je trouve que le chocolat il est vraiment bon. Puis la saveur d'orange est pas comme trop intense, trop exagérée. Fait que c'était quand même très bon. Puis après ça, on a emballé d'autres cadeaux dans le fond. Tous les cadeaux que ma mère, que ma soeur, que moi j'ai fait aussi du côté à ma mère évidemment. Parce que notre réveillon est ce soir. Fait qu'on a emballé tout ça hier. Fait que je vous laisse les petits clips de ça ici. C'est ton point? De même. Non, je pense qu'il faut que tu fasses ça de même. Non, faut que tu fasses comme ça à la table. Tu parles, ben va devoir. Ben ça va être marqué ou va voir une vidéo cassée. Non, c'est pas le même. Oui, oui, check, elle est cassée. Ah, tu lances. Elle est cassée, là. Check. Est-ce que je puisse avoir un quartier? Merci. Ben plein de lignes, ben comme une orange. Très bon. Un beau de l'orange, c'est bon. Ah, le tien. Oui. Mon heure. Ouais. Ça a vraiment été ça, sinon ça a été vraiment relax. Hier soir, j'ai pas fait grand chose, j'ai écouté des vidéos. Ce matin, même chose, je me suis levé vers 10h, j'ai déjeuné relax, écouté des petites vidéos. Vraiment relax, comme pas faire grand chose et j'avais vraiment hâte de faire ça. C'est ce qu'on se disait moi et ma mère ce matin, c'est tellement fun de comme pas faire grand chose et pas avoir grand chose à faire. Puis là aussi, j'oublie, hier on a manqué d'électricité, c'était comme la grosse tempête là, de neige, de vent, surtout de vent en Gaspésie là. Il a pratiquement pas neigé, comme on voit encore le gazon ce matin, mais le vent c'était l'enfer. On a manqué d'électricité vers 10h30, puis c'est revenu à minuit et demi, fait que c'est vraiment pas long. Je sais qu'il y a des places au Québec que c'est vraiment pire que ça, qui ont manqué d'électricité quand même, je pense comme en après-midi, en soirée hier, puis que c'est pas encore revenu à l'instant où je filme, il est midi, puis que ça dit que ça va revenir comme vers ce soir. Fait qu'un 24h sans électricité, la veille de Noël, ça doit pas être si fun que ça. Mais nous, ça a relativement bien été. Fait que là, je me suis dit que j'allais vous montrer mes petits cadeaux de Noël que j'ai eu du côté de ma mère. Parce que comme j'ai filmé dans le dernier vlog, on a ouvert ça lundi. Lundi ou mardi, fait quand même assez tôt. Parce que mon beau-père est pas là pour Noël cette année. Fait que ça part. Fait que ça, c'est vraiment juste les cadeaux du côté de ma mère. Fait que premièrement, des petites bandes réfléchissantes comme ça qui vont vraiment être utiles pour aller courir. Puis aussi en ski de fond pendant l'hiver. Fait que ça fait juste comme refléter dans le noir, vraiment pratique et surtout vraiment sécuritaire, j'en avais pas. Souvent les vêtements de sport ils ont des petites comme places réfléchissantes, mais ça va vraiment être comme plus voyant. Ensuite de ça, de ma soeur, une petite bougie qu'elle a elle-même faite. Je sais pas si on va bien voir le pot, mais il est vraiment trop cute en verre comme ça et le couvert est en bois. Elle l'a faite avec des huiles essentielles, fait que ça sent le propre, ça sent comme le ménage, le citron un peu. Ça sent vraiment bon. Fait que ça, après un petit ménage, ça va être perfecto.
toujours de ma soeur, une belle tasse comme ça, blanche, avec des petits points là un peu, je pense pas qu'on va super bien voir, mais avec des petits points noirs et une petite base comme en, pas en bois, mais couleur bois, c'est la même texture. Puis c'est écrit tête folle, parce que ça c'est un inside, là, on s'appelle les têtes folles dans notre famille. Puis le cœur qui est ici, il ressemble vraiment au cœur que ma soeur a de tatoué, que j'y avais dessiné, là, le matching de celui-là, que j'ai ici. Ben celui que j'ai dessiné, il ressemble vraiment à ça, il y avait un côté vraiment plus haut. Fait que ça, elle l'a fait faire comme dans un petit marché de Noël, là, je pense qu'elle me disait, tu choisissais comme ce que tu voulais mettre sur la tasse. Mais j'ai peur que ça décolle, genre, la fille a dit de pas le mettre au lave-vaisselle, mais on dirait que j'ai comme peur que ça décolle. Fait que je pense que je vais juste la mettre en déco chez nous et pas l'utiliser, parce que j'ai peur de la scraper. Ensuite de ça, de ma mère, une tasse aussi, donc Gaspésie Je T'aime, qui est une marque, ben je sais pas si on peut dire une marque, là, mais comme une ligne de produits ici en Gaspésie, donc blanche, et elle fait, je sais pas si elle fait quoi, on dirait un peu du liège, la base. Puis il y a un couvert, ça je vais la laisser au bureau, ça va vraiment être parfait pour le bureau, parce que ben je prenais les tasses qu'on a au bureau. Mais ça va être cute, ça va être un petit comme rappel de Gaspésie. Là je l'ai pas avec moi, mais elle est en haut, c'est une bouteille d'eau Tupperware bleue comme turquoise. C'est la même que j'avais, mais j'ai perdu la mienne. Je me rappelle pas qu'est-ce que j'ai fait, je me rappelle pas où je l'ai mis. Fait que ça c'est vraiment les deux seuls cadeaux que j'avais demandé. Ma bouteille d'eau, parce que ben il m'en fallait une. À la job, je prenais des verres que j'allais comme remplir quelques fois par journée. Mais une bouteille, ça va vraiment être plus pratique. Puis, deuxième cadeau que j'avais demandé, une boîte à lunch, parce que comme je vous ai déjà montré, je prenais des sacs de plastique genre IGA pour mettre mes lunchs, ce qui fait la job, mais c'est pas l'idéal, c'est pas pratique. Puis je trouve qu'une boîte à lunch, c'est un peu plate à s'acheter. Fait qu'elle est vraiment belle, noire, une Carhartt comme ça. Puis elle est vraiment bien faite à l'intérieur, t'as la partie avec un filet en haut. Puis en dedans, c'est vraiment tout comme... mais pas plastifié, je sais pas comment on dit ça, là, mais genre imperméable qui se lave super bien. Il y a une pochette en avant aussi. Il y a une ganse qu'on peut défaire puis comme la mettre sur l'épaule. Fait que vraiment belle et surtout ça va être vraiment pratique. Puis finalement avec ma boîte à lunch, j'avais des petits ustensiles comme ça, réutilisables. Ils sont comme bleu, une espèce de bleu gris. Il y a une fourchette, un couteau et une cuillère. Vraiment cute, fait que ça je vais aussi le laisser dans ma boîte à lunch. Ça va être bien pratique. Puis sinon j'ai eu pas mal d'argent aussi avec ça. Fait que bien content des petits cadeaux. Ce que j'ai eu, ça va vraiment être des trucs utiles que j'avais besoin. Puis il me restera à vous montrer là peut-être les trucs que je vais avoir reçus de la famille à ma mère et du côté de mon père, notre souper est demain soir. Mais ça risque d'être de l'argent des cartes cadeaux parce que j'ai comme rien demandé. On dirait que j'arrivais pas à trouver qu'est-ce que j'avais de besoin à part la bouteille d'eau et la boîte à lunch que j'avais demandé à ma mère. Mais sinon, je trouvais pas d'idée. Fait que j'étais comme, ben ça des cartes cadeaux de linge, d'épicerie, Tim Hortons, Starbucks, n'importe quoi, ou de l'argent, parce que sinon, je trouvais pas d'idée de cadeaux concrets que j'avais de besoin. Si jamais ça vous tente, je serais bien curieux de savoir qu'est-ce que vous avez reçu pour Noël comme cadeau. Laissez-moi ça en commentaire. Fait que là, moi, je vais ranger mon linge qui est lavé depuis un esti de bout. Là, j'ai lavé dans le dernier vlog, je crois, genre au début de la semaine. Il traîne dans mon panier depuis ce temps-là, fait que je vais juste comme le ranger dans mon garde-robe, faire un peu de ménage, juste un peu à traîner dans ma chambre. J'aurai aussi tout mon bureau de job, mon ordi à ranger parce que là, je ne retravaillerai pas ici. Fait que je pourrais tout ranger ça, descendre ça dans ma chambre, ça va être prêt. Puis sinon, pour l'après-midi, j'ai pas vraiment de plan et j'adore ça. On va partir vers 3h pour aller chez ma mamie pour notre réveillon de Noël. Ça devrait ressembler à ça. Une chance que la météo d'hier n'était pas aujourd'hui parce que les réveillons de Noël auraient été annulé. Il ventait tellement, on dirait que les murs allaient arracher. Là. Genre, c'était cave. Je cherchais mes bijoux ainsi que mon parfum. Ça ici. Et ça ici.
Fait qu'il est rendu 2h20. Petit outfit vraiment simple. J'ai pas tant de linge de Noël. Fait que j'ai juste mis ce chandail-là. Qui est comme un chandail long. Gaufré. Ça focus pas, mais en tout cas, petit tissu gaufré, genre blanc, beige, crème, jeans, assez simple. Puis, je vais rajouter des petits bijoux. Fait que, je vais juste mettre des bagues en fait, là. Fait que j'ai mon bracelet ici, qui est un Pandora. J'ai ma boucle d'oreille, qui est celle-là, le petit stud argent, que j'ai depuis que je l'ai reçu, mais je l'ai jamais enlevé. Puis, je vais juste rajouter des bagues, là, fait comme celle-là. Celle-là, je l'aime bien. Et celle-là. C'est pas mal tout le temps le même trio que je mets. Je suis capable de le fermer. Ici. Celle-là. Ouch. Ouch. Comme ça. Et la petite snake ici. Fait que c'est pas mal tout le temps le trio que je fais. Je mets ces deux-là pas mal tout le temps ensemble. Celle avec... Ça focus pas. Celle avec une plaque, puis la petite simple comme ça, je les mets souvent dans le même doigt, je trouve que ça fait beau les deux ensemble. Puis sur mon autre doigt, j'ai mis la petite snake, celle-là je la garde tout le temps, c'est la bague de mariage de mon grand-père que mon père m'a donné à mes 18 ans. Je pense pas que je l'ai déjà dit, mais celle-là je l'enlève jamais, je l'ai dans le doigt depuis mes 18 ans, littéralement. Fait que ça a l'air de ça, petite main pleine de bagues. On va mettre un push de parfum. Et puis là, il va rester mes cheveux à faire, puis I'll be good to go. On part vers 3h, il est juste 2h20, fait que je suis vraiment d'avance. Je vais mettre ma caméra à charger pendant ce temps-là, parce que j'ai pas beaucoup de batterie, puis je vais la porter ce soir. Fait que ça, c'est tous les cadeaux qu'il faut apporter. Ceux-là, ces deux-là. Tout ça, ça c'est de la bouffe, mais je vais mettre les cadeaux dans ce bac-là. Ça va être plus facile à transporter en auto, mais je pense même pas que ça va tout rentrer. J'ai des bons doutes. Je pense que même pas la moitié a rentré. POV, le char est plein. POV, le char est un petit peu plein, craqué. C'est une vidéo. Oh my goodness. C'est quoi? 365 histoires. Love it. What do you want to read? Oh my god. C'est des histoires ou des chapitres? Moi je pense. Plein de petites histoires. Ouais, c'est plein de petits. Oh, ici. Le requin. Aujourd'hui, les enfants veulent absolument aller nager. Bien heureux d'avoir réussi une bonne blague. Oh, ouais, c'est le papy. Coquin. Merci. Thank you.
très bon souper, mon beau cœur. Très bon. Merci. That's mine. Oh. Les bons shots dans un. Tout en un plus. Dans une couple. Ça a l'air gros. Ça a l'air assez énorme. Là, les lents, Cheers. Plusieurs gorgées, là. On est rendu dimanche, donc le lendemain, il est 11h30. Je me suis tellement réveillé tard. Je me suis réveillé vers 10h30. Puis j'ai gossé dans mon lit depuis ce temps-là. Classique vacances, ça fait vraiment du bien. Dans le fond, hier, je vous ai filmé, je pense, quand même pas mal de trucs pendant le souper. On est arrivé là-bas vers 4h moins quart. On a jasé, il y a eu des petites entrées. Après ça, quand tout le monde a été arrivé, on a mangé dans la grande salle. Dans le fond, c'était à la résidence de personnes âgées de ma mamie. Fait qu'on a attendu que tout le monde ait fini de souper, mais ça soupe quand même tôt ce petit monde-là. Fait que vers 6h à peu près, on a apporté tous les trucs dans la salle, on a mis toutes les tables ensemble, on a tout installé ça, la nappe, les ustensiles, on a apporté la bouffe, on mangeait du sipat avec la salade, puis on avait aussi des desserts par la suite. On a joué à la Wii, moi puis ma sœur, on a vu qu'il y avait une Wii. Je pense que c'est pour comme faire bouger ceux qui habitent là dans le fond. Puis il y avait Wii Sport, ça doit faire comme au moins 10 ans là, que j'avais même plus, que j'avais joué à ça. Fait qu'on a joué un petit peu à ça pendant que le monde jasait. On a ouvert les cadeaux. Puis après ça, on a joué au bingo. Ma mère avait acheté des petits cadeaux. Genre boîte de chocolat, des gratteux, des affaires de même pour un petit bingo. Puis ça a été ça. Après on est revenu ici, on est arrivé vers 1h. Peut-être une heure, je pense à peu près. Fait que ça a été ça. Ça a été assez relax, mais ça fait du bien aussi des fois des Noëls un peu plus tranquilles. Ça fait qu'on est moins macané le lendemain. Je suis absolument top shape en ce moment, donc we love that. Du beau temps en famille. On en a profité, on se voit pas souvent vu que moi je suis à l'extérieur, ma cousine Alex aussi. Fait qu'on se voit comme quelques fois par année, tout le monde ensemble. Fait que c'était bien le fun. Fait que je pense que je vais conclure le vlog ici. Je vais faire le montage probablement aujourd'hui pour vous mettre ça pas trop tard cette semaine. Fait que voilà, j'espère que vous avez aimé le vlog, puis nous, on va se revoir très bientôt. Ciao!